Bonjour à tous, Eric Boisard, directeur du service des sports de la ville du Canet. Il nous a semblé important, à la reprise de cette année sportive, eh bien de rassembler toutes les associations sportives de la commune pour évoquer, sur quatre modules, les différentes problématiques qui touchent de plein fouet les animateurs, éducateurs et professionnels du sport les samedis et les jours de semaine pendant les entraînements. Pour ce faire, nous avons convié le comité départemental olympique pour un module sur la responsabilité des associations, une responsable également en gestion de conflits, donc pour arriver à désamorcer tous les petits problèmes qui ne sont pas verbalisés ou des fois trop verbalisés, et donc donner quelques leviers aux éducateurs. Également un module sur une rencontre avec le corps arbitral, l'occasion de voir un petit peu et d'entendre le ressenti de responsables fédéraux, la fédé de basket, la fédération de foot, mais également un arbitre national de karaté, et échanger pour parler du ressenti des arbitres et quel type de conflits et de problématiques qu'on rencontrait sur les infrastructures et sur les terrains de sport. Et donc un dernier module qui nous semblait également très intéressant, puisqu'on se posait la question de savoir si le projet éducatif était compatible avec la compétition, puisqu'on se dit que la compétition engendrait des conflits. Et là-dessus, donc un intervenant de qualité qui a pu répondre ce matin également à ces interrogations.